Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo qui sera pour un petit tuto et ce sera un tuto pour vous montrer comment j'utilise les copeaux de la boutique Aïla Création. Vous voyez, ce sont des copeaux comme ça, c'est vraiment génial, il y en a de toutes les couleurs, on peut faire énormément de choses avec. Et moi je vais vous montrer donc deux utilisations, enfin ces deux couleurs, comment je vais les utiliser. Je vous avais déjà montré, il me semble, dans une vidéo précédente, mon cupcake citron comme ça, vous voyez. Et dessus sur la chantilly, j'avais mis tout plein de copeaux. Et c'est vrai que l'effet citron du coup était vraiment, vraiment réaliste, je trouve, voilà. Et là je vais vous montrer comment j'utilise dans des coupes de glace. Donc là il y a une coupe gaufrette que vous pouvez retrouver sur la boutique Aïla Création. Et une coupe comme ça que vous pouvez aussi retrouver sur la boutique. Et profitez-en, elles sont en solde en ce moment. Voilà, donc si la vidéo vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. Alors, pour le matériel, vous aurez besoin de coulis. Enfin, c'est comme vous souhaitez, mais moi, je vais utiliser ces deux coulis. Donc ça, c'est fraise un peu lait et ça, c'est chocolat noir. Vous aurez besoin de chantilly. Voilà, donc là, j'ai préparé ma petite poche de chantilly. Vous aurez besoin de récipients. Donc, je vous ai déjà montré les deux petits récipients que je vais utiliser. De copeaux, bien évidemment, parce que c'est le principe du tuto. Je vais aussi utiliser de la canne fraise. Un petit pic comme ça pour découper les copeaux s'ils sont trop, trop grands. Mais vous pouvez aussi utiliser une lame de scalpel ou quoi que ce soit. Et je vais aussi utiliser de la déco, donc cette petite tablette de chocolat que je vais mettre dans une découpe. Alors, donc pour commencer, je vais utiliser cette coupe là. Hop là. Donc ce que je fais, donc c'est que je mets de la chantilly dedans. Voilà. Là vous voyez, il y en a quand même une bonne quantité de chantilly. Et maintenant, il reste plus qu'à customiser. Donc vous allez voir, franchement, enfin, c'est vraiment pas compliqué et le rendu est vraiment vraiment réaliste à mon sens. Alors je vais vous rapprocher un peu et d'abord j'ajoute le coulis. Donc alors là j'avais prévu de faire du coulis chocolat. Je secoue un peu et pour mon coulis j'ai toujours tendance à faire sortir un petit peu, vous voyez, comme ça sur un sopalin le début pour que ça s'enclenche un peu et que je me retrouve pas avec une bulle d'air et que ça fasse pop, vous voyez, que ça fasse un énorme truc sur la créa. Donc je dispose mon coulis sur la création un peu dans les sillons de la chantilly. On essaye de faire quelque chose d'à peu près régulier, sans trop, pour pas que ça fasse artificiel, vous voyez, pour que ça fasse le plus réaliste possible. Voilà, donc là ça me paraît pas mal. J'en rajoutais peut-être un peu juste là. Voilà, donc là ça me semble plutôt correct. Je vais rajouter mon petit... ma petite tablette de chocolat que je vais venir mettre par là. Voilà. Ah, et j'ai oublié de vous dire qu'il fallait une pince à épiler. D'ailleurs, la mienne, où elle est? Elle est là. Et je vais du coup vider un petit peu des copeaux sur mon plan de travail pour pouvoir choisir les copeaux de la taille que je veux. Hop là. Donc vous voyez, il y en a des qui sont un peu grands. Donc moi ce que je fais, c'est que avec mon petit pic, je viens les casser en fait. Hop là, vous voyez, je les casse. Pour pouvoir les disposer, pour avoir des tailles un peu plus convenables à déposer sur ma création.
que ça fasse pas trop grand. Ça se détache très très bien, hein. C'est vraiment... Après, vous n'êtes pas obligé, hein, mais c'est juste que moi, je trouve que comme c'est un peu grand, si c'est plus petit, ce sera plus réaliste. Voilà. Hop là, je reprends ma création. Et avec ma pince à épiler, je viens déposer les copeaux un peu partout. Donc on peut en mettre sur la chantilly toute blanche, on peut en mettre sur le coulis, enfin... Après, il n'y a pas de... ce que ça donne, je trouve que c'est vraiment pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez pour cette première coupe au chocolat. Et j'ai envie de rajouter une breloque cuillère. Donc je vais prendre une petite breloque cuillère, hop là. Je vais même en prendre deux, une pour l'autre. Hop là. Et je vais la rajouter là. Et en plus, avec le petit anneau, ça va me permettre de pendre la création. Voilà. Et donc, je fais un peu de ménage pour accueillir l'autre test. Donc cette fois, ça va être pour la coupe glacée. Je vais, pareil, prendre de la chantilly et la mettre dedans. Hop là. Bon, excusez-moi, j'ai été obligée de changer de chantilly parce que j'en avais presque plus. Et ça m'a fait un gros pâté tout caca. Et voilà, et j'ai été obligée de changer. Donc voilà. On recommence. Donc, on met de la chantilly dans la coupe. Voilà, la coupe est remplie de chantilly. Et maintenant, on va passer à la déco. Alors, je suis désolée, excusez-moi pour le bruit. Comme c'est une nouvelle poche de chantilly, je vais vite la refermer parce que j'ai pas envie d'avoir... J'ai pas envie qu'elle sèche. Donc, hop là. Et hop là. Voilà, je l'ai refermée. Maintenant, c'est bon. Je m'en suis mis un peu partout sur les doigts, hein, comme d'habitude. De toute façon, la chantilly, j'arrive pas à ne pas m'en mettre partout. Voilà, donc voilà, j'ai rempli ma petite coupe de chantilly et maintenant je vais utiliser mon coulis pour commencer la déco. Hop là. Alors, comme le même principe hein, qu'avec l'autre coupe, j'installe le coulis entre les rainures qui ont été faites avec la poche à douille. Voilà, donc ça donne ça. Hop là. Je vais essayer d'aller en mettre un petit peu en bas, là, vous voyez, comme ça. Voilà. Hop là. Donc ça me paraît plutôt pas mal. Et maintenant, je vais ouvrir mes petits copeaux, comme tout à l'heure. Et je vais en faire des plus petits morceaux pour ceux que je juge un peu trop gros. Vous pouvez même essayer de les faire avec les doigts. Voilà. Alors d'abord, je vais commencer par placer ma canne fraise. Je vous avais dit que j'allais mettre de la canne fraise. Voilà.
Voilà, ça donne ça, mes trois petits morceaux de canne fraise. Je vais mettre aussi la cuillère par là. Hop là. Et maintenant, je vais mettre mes petits copeaux. Les uns après les autres. Le rendu final. Donc je trouve que ces copeaux que vous pouvez trouver sur la boutique Ali La Création sont vraiment super. Ils donnent un réalisme de fou à mon sens. Je trouve que ça fait vraiment vraiment glace qu'on pourrait manger dans n'importe quel glacier. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, qu'il vous aura donné des idées. Et si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!